be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. When I see. Même si rigole, tu pars, attention, on va décaler. Dès que tu te lances, c'est quoi? Ouais, mais je sais, attends. C'est pas grave, c'est bien quand tu rigoles, au moins. Les gens, ils voient qu'on est dans la bonne humeur. Ouais. Les go. What's up, tout le monde, c'est Zucker Gina. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo de dégustation. Et comme aujourd'hui, c'est le jour du ramadan, comme tout le monde le sait sur YouTube. J'ai fait un gâteau avec, je vais vous le montrer directement, on va arrêter de parler, hein. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau ça, vous trouvez comment? Allez, et j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai invité David l'artiste à ma, on va dire, à ma dégustation pour le ramadan, et aussi j'ai mis quelques ingrédients pour décorer, pour accompagner le gâteau et cette belle journée du ramadan. Et toi, est-ce que tu vas bien? Moi, ça va très très bien, franchement. Ça fait plaisir de manger avec toi, mais la période du ramadan, c'est très très dur. Moi, je tiens à le dire que c'est très très dur. Moi, je tiens à le dire, franchement, que... honnêtement, je devrais même faire le ramadan, mais avec la santé que j'ai, je vous le dis quand même, parce que franchement, il y a des fois là où ça m'arrive de tomber dans les pommes, je fais des fois des malaises, donc avec ma santé, je préfère pas prendre de risque de faire le ramadan, parce que j'ai déjà essayé, il y a des années là où j'ai essayé, et puis c'était vraiment compliqué pour moi, c'est très très dur, c'est vraiment très très dur, donc j'encourage tous ceux qui font le ramadan de continuer, et puis de bien le faire, et un grand courage à tous ceux qui font le ramadan et à vous si vous regardez la vidéo, c'est évidemment sûr. Puisque je sais que cette période est très compliquée pour tous ceux qui font le ramadan, c'est ça. Donc nous allons faire la dégustation du gâteau au chocolat. Tu veux nous part? Oui, éventuellement nous allons manger, hein, éventuellement. Allez, on va manger le gâteau au chocolat tranquillement. Puis voilà, franchement, ça me fait plaisir que tu m'invites à manger. Bah oui, moi, ça me fait plaisir. J'avais fait une vidéo de dégustation, je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu dans ma chaîne YouTube, une dégustation en fait que j'avais fait de... c'était un dessert, c'était un... tiramisu. Un tiramisu, voilà, c'est ça. Un tiramisu, et j'en avais fait plein, j'avais fait plein de tiramisu. Et franchement, les tiramisu, je suis désolé, franchement, je suis dégoûté parce que j'en ai fait plein et c'était hyper, hyper bon. Et je les ai pratiquement, on va dire, presque tous jetés à la poubelle puisque éventuellement, il y a manque de personnes et tout ça. Et j'avais fait trop une grosse quantité et puis du coup, j'ai pas pu inviter les gens pour venir manger. Les amis ne sont pas venus et il n'y a que mon meilleur pote qui a mangé un, qui a aimé. Et puis j'étais vraiment dégoûté. La prochaine fois, je ferai un tiramisu, j'en ferai un peu moins. Comme vous avez vu dans ma vidéo, je fais des dégustations de fois. Maintenant, j'essaie de réduire, de faire très peu. Que quand j'en fais beaucoup, je garde et pour manger tout le temps. Et en ce moment, j'ai enfin ma cuisine qui n'est pas au complet, comme vous avez vu. Et puis voilà. Aujourd'hui, on mange ce gâteau extraordinaire. Je vais goûter et je vais vous dire exactement ce que j'en pense. C'est de la bonne qualité, même si c'est pas de la bonne qualité. Je vous dis, ce gâteau est fait par moi et les décorations fait par David l'artiste. Voilà, j'ai décoré le gâteau parce que je suis arrivé, il m'a dit de finir le gâteau. Alors j'ai eu l'idée de décorer un peu. Je pense que vous connaissez cette décoration. En fait, c'est des petits. Comment on appelle ça? Vermicelles. Voilà, des petits. Marmicelles, j'arrive pas à le dire en fait. Vermicelles. J'ai mis un peu de sucre glace, ça se voit pas trop parce qu'il a séché et puis voilà, c'est très bon. Donc nous allons déguster ça et je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. C'est parti. Je pense qu'il a déjà commencé à manger, il y en a qui sont déjà pressés de manger, donc voilà, c'est toujours comme ça. Bon allez. Je vous dis aussi, le gâteau, il est au chocolat et avec de la menthe à l'intérieur. Voilà. Franchement, je le trouve bon. Il est pas mal, hein. Il a mieux. Regardez-moi.
Oh non, ça c'est triste ça. C'est trop triste. Ah, je crois qu'elle a fait un malaise, mais là, c'est trop bon. Tu peux pas dire. C'est tellement bon, tu peux pas, regarde. Le chef il est là. Quand même. Non, je crois que j'ai fait un petit malaise. Un petit malaise vite fait, parce que. Non. Non, c'est pas qu'il est trop bon, c'est que la qualité est là. Le gâteau, franchement, il est. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un gâteau qui va tout droit à la sensation et qui rentre bien dans le cou là. Ça rentre bien là. Je sais pas comment vous dire, c'est trop fort, c'est fantastique. Franchement. En plus, tu l'as bien décoré, franchement. Et je trouve il est bon. Il est léger. Et ça fond dans la bouche. C'est top. Non, ça va. Je peux te saluer. C'est un très bon gâteau, franchement. Voilà. C'est un très bon gâteau. J'ai fait la cuisine deux fois. Si quand c'est pas bon, je ne dis rien. Mais là, c'est très très bon. Vous allez voir, je le finis. Mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses, je pense. On a même fait des. Je sais pas si vous avez vu des petits croissants. Enfin, il l'a fait, hein, parce que c'est pas moi, je dis, on l'a fait, mais bon. Bah, tu peux dire aussi. Il a fait des petits. Je sais pas ce qu'il a mis dedans, parce que. Amuse-bouche, tranche de jambon. C'est un petit buffet de qualité. Tranche de jambon. T'es pas musulman? Non, de poulet. De poulet, mais on dirait que c'est du porc là, moi je crois. Hein. Là. Mais c'est du porc là, non? Ah, c'est malheureux ça, je crois que tu t'es trompé là. T'es sûr? Ouais, de ouf. Les amis, regardez. Mais non, je rigole, c'est des tranches de quoi, tu as dit? Poulet. De poulet, ouais. Mais je vais goûter ça. D'ailleurs, je crois que j'aurai pas la force de tout goûter parce qu'il y a trop de choses ici. Déjà, c'est beaucoup, hein. Vous pensez comme ça, mais c'est beaucoup ce qu'on mange. Hein. Parce que pour une période de ramadan, à deux déjà, c'est beaucoup. On va pas faire. On avait d'autres choses qu'on devait faire. Hein. On devait faire quoi, le truc à frire à la aussi? Des samboussa. Voilà. Qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Nous, on l'a pas fait parce que déjà ça nous dépasse. Déjà. Mmh. Nous, on a des petits estomacs comme ça. Donc, déjà, un taco, ça nous dépasse. Alors, tout ça, déjà, c'est trop. On peut pas faire. Peut-être, vous, derrière l'écran, vous disiez, ah, mais c'est rien, on peut manger ça. Ouais, la plupart d'entre mais vous. Venez ici, venez. Vous allez dire, vous pouvez finir tout ça, mais franchement, c'est dépassant. Moi, on mange tout doucement, là. Il y a trop de trucs. Je sais pas si on peut tout manger. Je pense que. Tu vas manger petit par petit, jour par jour. T'en as pour le mois, moi. Et encore, toute la semaine. Presque. Comme vous avez vu, il n'y a pas d'alcool. Hein, puisque s'il y en a qui aiment boire la bière, du whisky, tout ça, il n'y a pas d'alcool. Hein. Ici, on est propre. Parce que YouTube nous a dit de ne pas prendre de l'alcool, de respecter les conditions. Donc on respecte les conditions de YouTube, parce que YouTube est devenu vraiment dangereux, donc ils disent de prendre du jus. Donc on prend du jus, il y a du Fanta, du Coca, et puis c'est tout. On va pas commencer à vous dire un peu de bière, un peu d'alcool. Et déjà, notamment être musulman. Quand on est musulman, on ne consomme pas trop de l'alcool, des choses comme ça. Vous le savez autant que moi, vous le savez même mieux que moi, puisque vous êtes vous-même musulman, c'est la plupart qui regardent la vidéo. Et puis voilà quoi, après si je ne me trompe pas, monsieur, non, vous pouvez me dire, peut-être que je me trompe, peut-être que après, les musulmans doivent boire de l'alcool. En général, mais... Après je sais pas, hein, peut-être qu'il y a des musulmans qui boivent l'alcool, qui boivent du whisky, qui autorisent, mais moi je sais pas, hein, moi je vous demande juste comme ça, il faut me dire, parce que peut-être que moi je connais rien, enfin je connais rien. Perso, moi j'en bois pas. Voilà. Mais il y a des musulmans quand même qui boivent beaucoup d'alcool. Et qui fument et tout, ben, cela le regarde, hein, ça nous regarde pas. Nous, on est là, on dit ce qu'on pense des choses, quoi. C'est sûr. Voilà, c'est sûr. Voilà, éventuellement. Ah. Et on est bien, bon, on a bien mangé. Comme vous avez vu, toujours pareil, je parle trop. Je mange, je parle trop, même plus que mon camarade. Regardez, je vais vous montrer les petits croissants à mise bouche. Je sais pas si vous voyez comme ça. Voilà, regardez, c'est pas magnifique comme sur les vrais. Alors, ils sont bons? Ça va, un peu sec. S'ils sont pas bons, il faut me le dire, parce que je tombe dans les pommes. Éventuellement, moi, je peux encore vivre encore un petit peu.
On est bien quand même, on mange bien. Ils sont bons, mais... C'est dur à avaler, je crois. C'est dur à avaler. Ça y est, comment on fait? Donc, c'est pas bon de vous dire où ils sont bons ou ils sont pas bons. Il faut quand même ils sont bons. Dire à nos amis utilisateurs qu'ils savent. Dès que tu avales, tu vois, c'est bloqué. Ouais, un petit peu, mais tu peux. On peut les manger. C'est dégustable. Voilà. Comme vous avez vu, les amis, mon ami en fait a fait. Mon camarade a fait des soi-disant crêpes. Parce que c'est bien de parler, mais pour moi c'est des soi-disant crêpes. Mais moi j'ai baptisé le nom pancake. Parce que vous savez, j'aime bien les Américains. Je sais pas si vous regardez dans les émissions les Américains qui mangent des pancakes et tout. Je pense que vous allez dire que c'est un peu pareil que dans les émissions. C'est des crêpes, oui, mais les crêpes en France, vous avez vu des crêpes comme ça, je sais pas, hein, peut-être que vous allez dire. Mais moi, pour moi, c'est baptisé pancake. Si vous avez bien vu dans la vidéo, regardez, je vais vous remontrer d'ailleurs bien. Arrête, ils sont tellement... Attendez le flou que ça part, voilà. Regardez, c'est grand, ça a l'air d'être comme des pancakes. Et il y a beaucoup d'épaisseur quand même, hein. beaucoup d'épaisseur. Mais c'est très très bon. C'est pour la bonne cause. C'est très très bon. Et moi, quand je les ai mangés, j'ai dit, c'est trop bon. Et j'ai dit, il m'a dit que c'est des crêpes. Moi, je lui ai dit, pour moi, je vais les appeler. Si toi, tu les appelles crêpes, moi, je vais les appeler pancakes. Puisque c'est l'épaisseur crêpes. Est hyper grosse. Et puis, c'est bien. Ça, c'est des... Je vous dis, je vais vous casser un peu vos délires. Des crêpes comme ça, là. Vous voyez les doigts, là. On aime bien. Je pense qu'il faut leur montrer de près de plus près. Puisque ça, ils ne voudront pas de très loin, je pense. Regardez les crêpes. Vous voyez, c'est un peu épais. Nous, on est des noirs, on aime bien, on aime bien forcer. Vous voyez, on aime bien forcer un petit peu pour comme ça. Quand on le mange, on n'a plus faim. Vous voyez le délire? Ouais, c'est pareil. Voilà. Et c'est la qualité, parce que dès que tu manges ça avec du Nutella, c'est sûr que tu vas pas en reprendre une deuxième fois. Hein. Oui, franchement, je vous dis la vérité, les amis, j'en ai pris un tout à l'heure. J'en ai pris un. En fait, il m'en a fait goûter un. Je lui ai dit c'est des pancakes et il m'a dit non c'est des crêpes. Et après j'ai mangé, j'étais trop content. Quand j'en ai pris, je me suis senti, mais j'étais plus le même. En fait, je suis parti dans des délires très loin. Tellement loin qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'il dit. Et puis après j'ai dit refais-moi-en une autre. Et je l'ai mangé et je l'ai bien mangé, j'ai très aimé. D'ailleurs je vais en reprendre un tout à l'heure, mais je veux d'abord goûter ce que je n'ai pas goûté. Si vous me permettez. Je n'ai pas goûté les croissants que mon cher Amine a fait, donc je vais vous dire si c'est très bon. Parce que je ne sais pas s'il a fini le sien, c'est peut-être un piège. Je vais décéder, peut-être. Si, je l'ai fini. Alors, on va voir si c'est pas empoisonné, puisque là on parle. C'est à mal bien. Non, franchement, c'est très bon. Ouais, mais c'est un peu sec. Oui, c'est vrai, c'est sec un peu. C'est un bon. En fait, c'est un bon. C'est un gâteau. On le sent que c'est un petit buffet, c'est un buffet en fait, c'est un apéritif. Ça va avec du jus, avec tout ce que vous pouvez boire, tout ça. Moi qui ai déjà livré des plateaux repas, des buffets, j'ai ressenti ce goût dans certains buffets que j'ai déjà fait. Non, c'est très bon, il a fait du bon travail, c'est un bon cuisinier. Je tiens à vous le dire, c'est très 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 bon. Après, il y a les bonbons que vous avez vu là, mais... On va pas les déguster puisque, bon, enfin moi de ma part je vais pas les déguster puisque il y a trop de trucs là. Donc les bonbons ça c'est bien de manger un peu de temps en temps devant la télé, devant un bon film ouais, ou quoi. C'est sûr. Et puis voilà quoi. Et si vous regardez ma vidéo, je sais pas si la vidéo est déjà sortie ou peut-être va sortir bientôt. Ouais, peut-être qu'elle est déjà sortie, hein, la vidéo que je vous parle. Je vais faire une dégustation de popcorn. Elle va peut-être sortir à l'heure que je vous parle, elle est peut-être sortie. Parce que cette vidéo-là que vous regardez, là, que vous me regardez, vous me regardez bien, hein, et ben, elle va sortir cette vidéo, mais pas tout de suite, évidemment. Puisque sur Snap, j'ai fait la préparation de la vidéo. Sur Snap, si vous êtes dans mon Snap, parce que j'aime bien faire ça des fois, on aime bien faire ça, moi et mon pote, mon camarade, mettre des snaps et tout, et mettre des vidéos qui ne vont pas sortir de suite. Parce que les gens vont regarder Snap, ils vont dire c'est quand qu'elle sort la vidéo, ils vont essayer de voir. Mais en fait, elle ne sort pas et elle sort une nouvelle vidéo. Donc j'aime bien faire ça, je sais pas.
On va dire c'est un petit peu le suspense. Voilà, le suspense. Donner envie à la personne et de voir la vidéo, mais il va avoir sûrement une nouvelle vidéo qui va sortir et ils vont se dire, ils vont peut-être même, vous allez même peut-être oublier cette vidéo, ceux qui sont dans mon snap. Et à mesure qu'elle va sortir, vous allez dire ah ouais. Mais elle va sortir, ne vous inquiétez pas, cette vidéo elle va sortir. Mais le jour qu'elle sortira, je pense que la vidéo de mes popcorn sera déjà sortie, je pense. Parce qu'elle va sortir cette semaine. Je vais faire un petit mélange de vidéos, je ne vais pas sortir celle-là. Au lieu que ça soit celle-là qui va sortir, ça va être des popcorn. Et, enfin, c'est tout un mélange de vidéos, on s'amuse un peu sur YouTube. Voilà, bon, je vais manger, je vais déguster. Les fameux cookies maison. Des cookies pour vous dire qu'est-ce que j'en pense de cette qualité de cookies. Je vous remontre. Visuellement, c'est pas trop ça, mais c'est mangeable. C'est vrai, regardez, on dirait des petites galettes de gâteau que chez mamie a fait, que la mamie elle a fait. Parce que c'est souvent les mamies qui font des belles gâteaux, des bons gâteaux. Les mamies, les grand-mères et tout, ils font des bons gâteaux comme ça d'habitude. Je pense que quand vous allez chez votre mamie ou chez vos tata et tout, ils vous font des beaux gâteaux comme ça. Mais c'est souvent eux qui font les meilleurs gâteaux. Les meilleures recettes, ouais, c'est souvent eux. Hein, on va pas le cacher, le dire. Ouais. C'est eux. Moi, j'en ai déjà... Quand j'étais petit, j'ai déjà mangé des galettes comme ça. Chez une mamie, elle faisait des gâteaux à mourir, tomber par terre. Donc voilà, nous on est jeunes, on essaie de faire des inventations, ou bien on essaie de refaire des produits que des fois on peut se rater. Mais là, on va pas dire qu'il est raté, mais on va dire qu'il a essayé de le faire bien. La tête, en fait, elle est la gueule du biscuit. Et peut-être pas comme on a l'habitude de le voir, mais après il faut le déguster pour savoir si le goût c'est est ça. Bon. Le plus important, c'est le goût. Donc alors, je vais prendre un biscuit, bon. Déjà, il est bien, il est un peu. Il est bien, franchement, il est bien. Un peu mou, un peu moelleux. Après, il n'y a plus qu'à goûter. Franchement, il est bien. Mais en fait, il est bien, mais en fait, il y a la saveur du cookies. C'est-à-dire, quand tu le manges, même si c'est mou, tu sens que c'est le miel du cookies. C'est comme si c'était le cookies. C'est un début de cookies. Mmh. Mais après, c'est pas le meilleur cookies au monde, oui, ça c'est sûr. Mais c'est un cookies qu'il a réussi parce qu'il a essayé de le faire, il a été fait maison, attention, c'est pas un cookies que vous allez dans les magasins qu'ils ont déjà fait par les produits et tout. Voilà. Donc moi je dis que c'est réussi. C'est une bonne réussite, il faut juste évoluer le cookies, mais sinon, il est bien. On va essayer. Très bon. Une dégustation de bonne qualité. Franchement, moi je commence à caler. Moi aussi, pour terminer, je prends mon pancake. Et puis voilà. C'est des crêpes. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Ouais. Et n'hésitez pas si vous voulez une vidéo comme ça, ou bien venir faire une vidéo avec nous, ou manger une dégustation avec nous. Un grand plaisir. Et ça ferait vraiment un grand plaisir. Parce qu'on attend toujours du monde, souvent de faire. Bon, à l'époque, on avait des Karim, on avait des Baltimore, tout ça, des gens comme ça extraordinaires. Mais ce genre de monde est parti. Ils sont tous occupés à faire des vidéos, donc bon, même pas, ils sont occupés à faire des cabrages avec les motos, avec les vélos, etc. Chacun a son occupation, donc nous on est toujours là, on fait toujours des vidéos, on est toujours présents. Toujours donc, ensemble. Donc voilà, on a des potes qui se lâchent pas et qui font toujours des vidéos de bonne qualité. Donc voilà, comme vous avez vu, il y a des petits bruits chez toi. Ouais, ils sont bas. Les voisins qui partent un peu de bruit. Et comme vous avez vu, la vidéo que je pense que vous avez aimé, la vidéo qu'on avait fait de Conorah.